Petite merde que t'es, quoi. En gros, c'est un prolo, ce mec-là, c'est un gars qui est un peu un anarchiste sur les bords. Comme vous voyez, mais pas trop de marques. En gros, sa femme l'a quitté il y a quelques temps. Et ça a été la descente aux enfers. En fait, il était forestier, il a perdu son emploi. Et il s'est réfugié dans l'alcool, la boisson, la drogue. Et maintenant, il baisse des canettes. En fait, il prend l'orifice des canettes. Eh oh, eh. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, là? Bah ouais, j'ai grillé la priorité, mais bon. Ouais, bah tu viens de t'excuser, ou alors tu demandes à ton collègue de me lécher les roues tout de suite, là. Oh. Hé, la lèpre, là, je te parle. T'as pas l'impression que tu me dois quelque chose, connard? Ferme-la avec ta crête. Ferme-la avec ta crête. Tu veux rien faire. Hé, ferme ta gueule, je suis un anard, tu veux rien faire. Je t'emmerde. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Bonjour. Moi, je sais pas, je te suis comme ça. Arabe à joie, t'en es un, toi, arabe? Mais ta gueule, mec, doucement. Hey, je t'emmerde, là, qui t'a amené ici, là. La frontière, tu l'as passée, connard? Mais ferme ta gueule. La cassa des papels, ouais. La cassa des malouches. Bah, vas-y, viens, on sort, tu vas voir. Braquer ma bite, tu vas voir. Braque ma bite, alors. Mais viens, tu as peur ou quoi? Pourquoi t'as le sourire aux lèvres? T'as envie que je te chie à la gueule? Mais viens, on sort. Vas-y, je te pisse, allez. Je te pisse à la gueule, fils de schlag. Bah vas-y, viens, on sort dehors, je t'attends. Une petite ambiance, c'est tranquille. Tu vas rien faire, t'es de la merde, moins que de la merde. Avancez là, bloquez pas le chemin. Bande de tardous, pourquoi vous bloquez le chemin là? Mais ferme ta gueule. Descends. Écoute-moi, descends. Ta mère, c'est mon clébard qui la tronche. Descends, hey, c'est bon, je descends, c'est bon les gars, c'est bon. Descends. J'ai rien fait, oh descends. Oui, c'est non, bon. Tu parles à qui? Je suis désolé les gars. Prends tes salopes ou quoi toi? Comment ça que tu me manques de respect? Non, c'est bon les gars, arrêtez. Arrête là, descends. Descends, je t'ai dit, descends. Arrêtez, non, c'est bon. J'ai rien fait, laissez-moi. Viens ici, je t'ai dit, viens ici. Ouais, c'est bon, je te suis. Avance, tire-lui. Va dans le parking. Ouais, c'est bon. Va dans le parking, je te pointe. Je rigolais ce que j'ai dit tout à l'heure. Avance. Tais-toi, avance. Les gars, ce que vous allez, dépêche-toi, cours. Aïe. Cours, je t'ai dit, cours. Ah bah, il s'est passé un truc là. Hey, bonjour monsieur, j'aimerais avoir un renseignement. Vous m'entendez là? Bonjour. Ouais, c'est ça, tiens le regard, je suis en train de te parler. Quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. Qu'est-ce qu'il me veut, la tarlouse, là? Tu veux quoi? Calme-toi, papy, je participerai de moi. D'accord, je suis en train de parler à ton collègue, c'est pour ça. Bonjour. Ouais, mais ouais, mon collègue, il est pour le. Je voulais avoir un renseignement concernant, il paraît qu'il y a une épidémie en ville. Je compte organiser avec des anards un petit rassemblement. Est-ce que c'est encore autorisé ou pas? Ah, faut contacter les papillons. Ça va? Oh, c'est pas du ciel. Et qu'est-ce qu'on t'entend par là? T'es complètement foncé, attends, tu travailles à la police. Je suis complètement foncé, comment ça va, monsieur? Monsieur l'agent, tenez votre vie, il se passe des choses bizarres dans ces nuits. Ah, je sais pas. Venez, on va se mettre à l'intérieur, on va être plus en sécurité. Ouais, c'est vrai qu'à la pluie. Bon, je me présente, je m'appelle Eddie Larouche, je suis Boucheron. J'adore m'amuser avec du bois, quoi. Vous voulez savoir, est-ce que vous aurez peut-être besoin de mobilier en bois? Vous avez ça en bois? Je sais pas, parce que. Voilà quoi. Attendez, vous êtes juif? Vous avez des roflaquettes, monsieur, vous êtes juif? J'ai rien contre ça, mais c'est juste que, voilà, avec vos histoires de peuple élu, j'aime bien. vous avez sacrément une dégaine de vieux. Vous devez manger les canettes, quoi. Vous venez, c'est pourquoi, monsieur? Je viens pour savoir si je peux continuer à faire des rassemblements dans mon local. On s'amuse à inviter des personnes, on se met en rond, et les personnes les plus faibles, on les met au milieu. On leur demande de s'agenouiller, et ensuite on leur pisse dessus. C'est une belle douche dorée qu'on fait. Et il y en a certains qui chopent la chopie, c'est la syphilis, j'adore cette maladie. Si c'est dangereux pour les gens, je pense pas que ce soit autorisé. Ouais, mais concernant le virus, vous savez, dont tout le monde parle, dont on peut pas dire le. Ouais, l'origine, quoi, l'origine, hein, le requin. Et le roquemoule, je suis en train de te parler. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai l'impression que t'es complètement perché, quoi. Non, mais je comprends tout à fait, monsieur. Le syphilis, c'est pas contre vous. Attends, c'est moi ou tu viens de faire une voix de chiotte, là? Bon, allez, j'en ai fini avec toi. Allez, dégage. Non, t'étais complètement rabat. Ah, bah enfin, tu l'emmènes, celui-là, c'est un vrai con. Depuis tout à l'heure, il dérange tout le monde, merci. Ouais, mon bof. C'est vraiment bof. T'es vraiment bof. J'en ai rien à foutre, tu vas pas en prison, connard. Allez, dégage. Mec, ta voix elle est vraiment grave, genre, est-ce que tu. J'en ai rien à foutre, ferme ta gueule, je t'emmerde. J'en ai rien à foutre, je t'emmerde.
Coronavirus. Arrête la joie. Monsieur, je vous ai dit de retourner en haut. Non, non, il reste pas en haut. Il reste pas en haut, là, ok. Il reste pas en haut. Je fais en sorte que vous respectiez votre travail. Que vous... Oh, il est juste là. Il est juste là. Allez, la gauche. Oula, le gang des poussins, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça se fait, là, ça se fait. Pas de respect, pas de respect. Après, c'est vrai, c'est un peu de vrai. Eh, c'est à moi que tu parles, Tarlouse, là. Allez, viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vous entends pas avec les autres. Viens dehors, enfin. Sortez. Non, y'a pas de baston devant, y'a pas de baston. Comment ça, baston? Attends, tu veux la castagne? Tu veux t'embrouiller avec moi, connard? Attends, je vais te renvoyer à la frontière, le Mexicain. Tu dégages, maintenant. Vous faites quoi? Calmez-vous. C'est pas un truc ici. Ouais, allez, viens. T'as un souci avec moi? Non, arrêtez de vous battre. Capitaine, vous vous occupez de ça ou pas? Monsieur, vous voulez que je vous arrête pour obstruction à l'ordre public? Non, monsieur, vous avez vu, il m'a embrouillé. Il veut chercher la bagarre. Moi, j'aime bien la bagarre. Donc maintenant, vous faites votre travail et les Mexicains, vous les laissez pas sortir, ok? Je vais vous demander de quitter les lieux, monsieur, si vous n'avez pas besoin de déposer une plainte. Oui, mais sauf que j'ai déposé une plainte contre la personne qu'on a mis tout de suite en cellule. Donc venez avec moi. Ils sont où, là? Ah, il reste celui-là. Toi, tu viens. Je reviens, là. Eh, le poussin, là, on te demande de revenir. Là. Reviens ici, connard. On t'a parlé. Ok, je reviens, ouais. Allez, victime que tu es, reviens, voilà, cette pute. Tu vois, ces mecs-là, écoute-moi, monsieur le policier. Vous avez vu, il faut leur parler comme ça, c'est con. Écoute-moi bien, arrête de faire le cow-boy. Voilà, monsieur, il me frappe. Aidez-moi, monsieur, je vais vous arrêter pour couper blessure si vous continuez. Je dans le commissariat. Je le connais. C'est un ami du jeune Pablo. Ouais, t'en fais pas, Thiago. Le vagos, tu rentres maintenant. Tu rentres dans le comico. Allez, rentre dans le comico, victime que tu es, cette baltringue. Capitaine, ils sont où là? Ah, toi avec les cheveux, tu la fermes, c'est bon. Voilà, c'est bien parlé, voilà. J'aime bien les policiers. Regardez là-bas à gauche, parle à toi, Angry. Non, vous quittez les lieux tout de suite. Tu me parles à moi, tiens le regard, tu vois, t'es frié là. Tu vois, t'es frié. Monsieur, je vais vous menoter. Tu lui mets intimidation. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, monsieur l'agent. Ah, ben voilà, enfin, il s'est arrêté, il fait n'importe quoi. Merci, monsieur l'agent. Putain, c'est encore lui. Lâchez-moi des pépites. Monsieur l'agent, vous allez le regretter. Je suis pas agent. Monsieur. Vous êtes agent du FBI, c'est ça? Vous allez essayer de m'impressionner? Monsieur, enlevez-moi les manottes, ça me sert, je fais de la rétention d'eau. C'est pas grave. Monsieur. En tout cas, si vous pensez que vous m'avez intimidé avec votre dégaine de fragile, vous mettez le doigt dans l'urètre, je vous le dis, moi. Attendez, me dites pas que c'est vous le chef, parce que vous n'avez aucun charisme. Vous savez, vous n'arrivez même pas de répondant. Regardez, je suis en train de vous parler, vous êtes affaibli. Ça va être très compliqué, je vais pas avoir mon zizi, s'il vous plaît. Laissez-moi avoir accès au moins zizi, s'il vous plaît. Comment je fais pour pisser maintenant? Voilà, merci monsieur l'agent, j'aimerais avoir mes droits. Oui, vous ne les avez pas aidés, donc je peux être libéré, c'est ça? Vous allez les avoir. Donc monsieur, vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Ouais, blablabla. Vous avez le droit à un avocat. Quoique non, vous n'avez pas le droit à un avocat, il n'y en a plus sur cette île. Si vous n'en avez pas, c'est pas compliqué, vous n'en avez pas vu qu'il n'y en a pas sur l'île. Je vais me défendre. Et vous avez le droit à une assistance médicale, mais vu qu'il n'y en a pas sur l'île non plus, vous n'y avez pas le droit. Avez-vous bien compris vos droits, monsieur? J'ai fait aucun délit, j'ai simplement exprimé. C'est obstruction à l'ordre public, monsieur, menace sur agent des forces de l'ordre. Vous êtes un guignol, ah c'est guignol, c'est BFM. Je vais repasser un petit peu plus tard quand vous serez calmé, ça va vous faire du bien. Pas le choix, faut y aller. Bon, vous êtes calmé? Ouais, c'est bon, je me suis calmé, j'étais en train d'avoir des pensées là. Vous avez commis deux délits. J'étais en train trouble à l'ordre public, monsieur, c'est 5000 euros d'amende et 5000 de cellule. Je crois que j'ai une femme, j'étais en train de la troncher. Ouais, c'est dommage, monsieur, je suis gay. Ah, et menace verbale avec intimidation aussi 5000 et 10 minutes. Monsieur, ça me va très bien. Bali. Vous êtes gay? Allez, videz-moi les couilles. Allez, vide-moi les couilles, salope que t'es. Allez, vide-moi. Je suis excité. Ah, je suis pas pacifiste, monsieur, je préfère rentrer. Allez, monte-moi ton gros calibre, là. Mets-moi un doigt dans mon urètre, enfonce-le au fond. Allez, essaye de sortir du fromage de bite, s'il te plaît. Voilà votre amende, monsieur. Comment ça se fait que vous êtes sur mon... Ah, qu'est-ce qui se passe, là? Arrêtez, qu'est-ce que vous avez fait, là? Mon amende. Donnez-moi mon amende. Ah bah c'est bon, j'ai réglé mes amendes, je peux y aller? J'ai rien reçu moi monsieur. Vous avez reçu votre amende? Oui, c'est bon, je vous les ai payés. Bonne journée à vous monsieur, au revoir. Non attendez, retournez en cellule monsieur, c'est pas normal que vous êtes sorti. Ah d'accord, je retourne. Attendez, je retourne dans mon walk. Billie Jean is not my lover. Vous savez ce que vous faites monsieur, vous faites pas bien votre travail hein. Je suis un jeune homme qui est simplement... Il a white beat, le temps de soi quoi. Vous faites le mal alpha, vous n'avez rien à prouver à personne, c'est bon, personne ne le saura. Libérez-moi monsieur, c'est bon, j'ai rien fait. Vous savez ce que vous faites, je vais vous dire. Ouais, il y a un temps là, où j'étais avec les gens de chambre, j'ai sorti les soirées avec les UFM, pourquoi être... Monsieur, vous avez 15 minutes de cellule, je repasse après. 15 minutes, ça tombe bien, ça me laisse juste assez de temps pour... J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Super bon ce burger. Pas le choix, faut y aller. On y va les gars.
Ça marche, les gars. Alors, qui c'est le meilleur? Et regarde, il y a mon livreur qui est là, mon chauffeur. Ouais, attends, je récolte quelques graines, attends deux secondes. Il y a l'admin, il y a l'admin qui nous dit nous. Merde, merde, merde. Run. Ouais, qu'est-ce qui se passe, putain? Ah, bonjour, monsieur. Tu m'expliques ce que tu fais ou pas, là? C'est-à-dire, j'ai fait une évasion, oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit, non? À faire de l'animation, ouais. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous étiez où? Vous étiez même pas là, vous n'avez rien vu. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oui, mais quand bien même, je suis désolé, j'ai rien fait dans l'histoire, monsieur. Je suis en train de vous spec. Ah oui, vous étiez en train de... Ça veut dire quoi, spec? Mais je suis un staff, en fait, donc... Ah bah autant pour moi, attends, je vais prendre HRP du coup alors. Ouais, désolé, c'est passé quoi en fait? Tu te fous de ma gueule aussi avec ton modificateur de voix ou pas? Non, j'ai l'habitude de faire du RP, je suis désolé, effectivement, j'ai fait un peu le con, c'est la dernière fois, je suis désolé. En fait, je comptais revenir, tu vois, pour jouer ma scène et finir avec le monsieur. T'as vu, j'ai pas fui. Attends. Merci beaucoup, désolé encore. Je vais reparler au policier qui m'a mis en prison. Merci. Si je m'en sors là-dessus, les gars, si je m'en sors, je suis vraiment le meilleur. Il y a part de la police. Désolé de vous importuner pour votre débrief. Il se trouve que vous avez oublié de m'attacher, enfin de fermer la clé en fait de la cellule. J'ai pu venir. Donc, ouais. Si vous voulez que je vous aide pour le débrief. Alors, bon, toi, Alpha, Beta, là, bon, les trois Goliots, là, vous faites mal votre travail. Aïe, aïe, aïe. Putain, merde, il est complètement pété. Le reste à couvert, tu traînes pas sur la 42ème. Si je te retrouve, je te bute ta race, connard. Il va retourner faire un cellule là. Et vous avez besoin d'un alpha pour donner des instructions? Je peux travailler pour la police, non? Regardez, j'ai du charisme. Ah, ça va, les gars, ça va, c'est bon, je vous ai fait rire, non? Laissez-moi, j'ai faim en plus. Et vous faites une grosse connerie, monsieur l'agent. S'il vous plaît, laissez-moi, je me présente, je suis Eddie Larouille, c'est bon, j'ai purgé ma peine, c'est bon. Je suis désolé encore. Merci, on peut y aller maintenant? Ensemble, allez, on y va ensemble. Pas de choix, faut y aller. Enchanté. Vous voulez faire pipi avec moi? Oh merde. Bon, voilà, c'est chaud, vite, enlève-la, vas-y, dégage, casse-toi avec. Là, c'est Rapax, hein, les mecs. C'est un vélo, gros, y'a pas d'attente, comment je sais que je monte dedans? Remake d'E.T. E.T. téléphone maison. E.T. téléphone maison. Y'a un nouveau concesse dans cette ville? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Monsieur l'agent, regardez ce qui vient de se passer là. Y'a une personne qui s'amuse délibérément à foutre le bordel ici. C'est toi qui fais ça? Voilà. Non, j'ai pas fait ça justement, c'est ah, pas c'est mon qui regard. Qui fait ça? Ouais, monsieur l'agent, s'il vous plaît, j'ai purgé ma peine. Bon, bande d'enculés, là, je suis en train de vous parler, bande de grosses merdes. Quand est-ce que je serai libéré? Hey, j'ai rien à voir avec cette histoire, là, les gars. Je suis bourré, je suis complètement pompette. J'avance le point levé comme Ahmed Bent. Je vise la lune. Je suis en train de viser le cul de ta maman. Ça suffit pas. Ouais, je suis désolé, mais je suis fatigué de rester ici. Je pense que c'est lui, hein. Je dois me dégager maintenant? Vas-y, je me casse.